Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui, on va voir comment faire un CV professionnel et moderne qui fonctionne auprès des recruteurs sur PowerPoint. C'est parti! Petite correction par rapport à ce qu'on a dit dans le précédent tutoriel, donc il sera composé de deux parties et pas de trois parties. Donc on va reprendre là où on s'est arrêté avec Victor dans la précédente vidéo. Vidéo que vous pouvez retrouver avec le lien dans la description ou sur la petite fiche qui va s'afficher juste ici. Comme vous allez le voir, on va diviser le CV en quatre parties. Donc une première pour les diplômes, une pour les expériences professionnelles, les compétences et les loisirs. Donc on verra bien que tout ça est le plus important dans un CV en termes de contenu. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous présentera des variantes du CV qu'on est en train de créer. Et si jamais vous voulez qu'on vous mette en description des CV qu'on a adaptés à des entreprises par exemple, dites-le nous en commentaire et on le fera dans la prochaine vidéo. N'hésitez également pas à télécharger tous les CV qu'on vous présentera avec le lien dans la description. Ok, alors on se retrouve sur PowerPoint pour finir la création de notre CV. Ok, alors tout d'abord, on va sélectionner notre barre, on va faire CTRL-C, CTRL-V pour en obtenir une nouvelle. Ensuite, on va sélectionner l'ensemble de la barre et on va faire grouper pour pouvoir ensuite la manipuler plus facilement. Sur cette nouvelle barre qu'on a faite, maintenant les bords sont arrondis parce qu'on ne l'a pas montré, mais la première barre normalement avait les bords arrondis. Et en fait, on avait poussé le petit bouton jaune qu'on voyait à l'extrémité pour en fait obtenir un rectangle normal sans bord arrondi. Évitez à tout prix les gros encarts flashy, privilégiez des couleurs sobres. Par exemple, si la couleur de fond que nous avons mis ne vous convient pas, vous pouvez la remplacer tout simplement par un blanc cassé ou une couleur bien plus sobre. Faites aussi attention à la taille de la police. Sur un CV, il faut au moins que la police soit de taille 11, sinon en dessous de ça, elle sera vraiment illisible. Si vous voulez changer l'arrondi, du coup, vous pouvez bouger ce petit point jaune. Là, on place bien nos rectangles grâce aux lignes rouges proposées par PowerPoint. On met l'intitulé en fait de notre partie en double-cliquant sur le rectangle. Ensuite, on va dans l'onglet Insertion. On insère un tableau avec trois colonnes. Il y en a une qui va nous servir pour mettre un petit point pour signaler l'énumération. Ensuite, on va mettre l'expérience, le diplôme. Ça dépend de la partie. Et enfin, la date. Pour la partie sur les expériences professionnelles, n'hésitez pas à bien détailler chaque expérience professionnelle et montrer ce qu'elle vous a apporté. Mais faites attention à ne pas trop en mettre. Sélectionnez celles qui sont les plus importantes. Mettez-vous en valeur et surtout, montrez que vous avez une certaine stabilité. Évitez les allers-retours entre des petits travails ou des CDD. Et surtout, si vous avez des expériences dans le bénévolat, insistez dessus. C'est vraiment très prisé des recruteurs. Une fois que c'est fait, vous placez le tableau sur le côté. Vous essayez de l'aligner avec expérience. Vous mettez le tiré, le nom de l'expérience. Là, pour nous, on va faire un cas général. On va mettre juste expérience numéro 1, le lieu de l'expérience. Là, comme vous pouvez le remarquer, on a choisi en fait d'écrire expérience numéro 1 avec la barre en gras, en noir, et le reste en fait dans la même police, toujours police 12, mais en gris cette fois. Le nom de l'entreprise lui est en noir et en dessous encore en gris, mais pas en gras. Après là, vous pouvez modifier à votre guise comme que ça vous convienne le mieux. Sur le côté, on met l'année. Là encore, vous choisissez, nous on l'a mis en police 12 et calibricor et noir. Ensuite pour diplôme, là vous adaptez à la taille de votre page et vous l'alignez avec celui du haut pour garder une bonne cohérence dans votre CV et que ça soit propre. Dans cette partie sur les diplômes, mettez tous les diplômes que vous avez obtenus à partir du moment où ils ne sont pas dévalorisants et qu'ils restent intéressants pour le recruteur. Donc évitez tout ce qui est brevet des collèges par exemple. Si vous êtes jeune diplômé, vous pouvez remonter jusqu'au bac et n'oubliez pas de préciser par exemple si vous avez le permis de conduire. Cela peut être très intéressant pour un emploi. À présent, on va passer à la partie loisirs et passions. On va tout d'abord aller dans insertion, placer une zone de texte tout simplement et noter l'ensemble de nos loisirs et de nos sports, par exemple sport, musique, nos voyages. On va mettre tout ça dans le style Abadi Police 14, sans oublier de souligner nos loisirs et nos passions. On va décider aussi de décaler un peu les onglets compétences et loisirs, parce qu'ils ne sont pas assez grands par rapport à la taille que prend la description de nos loisirs et de nos passions. Ensuite, on va décider en fait d'incorporer un icône à la place de mettre des tirets pour donner un peu de style à notre CV. Pour cela, vous allez placer votre curseur devant le texte où vous voulez placer votre icône. Vous allez aller dans Accueil, au niveau des puces, et là vous allez faire puces et numéros tout en bas. Une fois que c'est fait, vous allez dans Images, et dans la page qui s'affiche, vous allez faire à partir d'icônes.
Là, vous choisissez les icônes qui vous conviennent. On va augmenter aussi leur taille et les mettre en 150. On va répéter cette étape 4 fois pour nos 4 différents loisirs et passions. Alors, petite parenthèse, évitez de mettre vos qualités en gros sur le CV. Tout le monde peut faire ça et vous n'avez aucun moyen de le démontrer. Par contre, vous pouvez les introduire dans la partie sur les loisirs et les passions. Donc par exemple, si vous avez fait du sport en compétition, cela peut démontrer que vous avez une certaine détermination. Pareil, si vous avez fait des voyages linguistiques, cela peut appuyer votre niveau de langue. Si vous avez aussi d'autres loisirs et d'autres passions qui permettent d'appuyer des qualités, cela peut vraiment être très intéressant et c'est une manière de le démontrer. Et enfin, on va s'occuper de la partie compétences. On va mettre une zone de texte par compétence. Et là, en fait, l'idée, ça va être de placer une barre en dessous de chacune de nos compétences pour en fait mettre un curseur pour indiquer le niveau de notre compétence, si c'est élevé, bas ou faible. Pour laisser suffisamment de place afin de mettre notre barre, on va augmenter l'interligne entre nos compétences. On va bien entendu mettre aussi les compétences en gras. Et enfin, on va insérer en fait cette fameuse barre et la mettre à l'identique pour nos différentes compétences en faisant un copier-coller. Afin de manipuler vos différentes barres, vous pouvez bien entendu les sélectionner chacune, puis déplacer l'ensemble. Pour créer l'effet d'un curseur, en fait, on va rajouter une deuxième barre qu'on va placer par-dessus et dont on va augmenter l'épaisseur pour montrer le niveau. On va changer aussi la couleur de la barre et mettre un dégradé pour rajouter encore un peu de style et la mettre dans la couleur noire pour garder notre thème de départ. Et on va réitérer cette manipulation autant de fois qu'on a de compétences. Là, comme vous pouvez le voir, pour manipuler l'ensemble de nos barres, on va utiliser la technique de tous les sélectionner et de faire grouper pour pouvoir les déplacer. C'est bon, maintenant vous êtes capable de créer votre propre CV sur PowerPoint. N'oubliez pas que le CV que nous avons vu sert uniquement d'exemple. Vous pourrez vous le personnaliser, changer la couleur du fond, changer la couleur des différentes barres et faire un CV qui vous convient. Alors maintenant, on vous laisse et c'est à vous de jouer. Et enfin, pour conclure, n'hésitez pas à embellir votre CV, à améliorer vos expériences, mais surtout ne mentez pas, cela se vérifiera très facilement au cours d'un entretien d'embauche. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager à votre entourage. C'est vraiment très important pour nous. On se dit à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.